Alors que le tournoi de Wimbledon bat son plein actuellement, personnalités et anonymes se succèdent dans les tribunes afin d'applaudir les stars du tennis. Parmi les habitués des lieux, Carole et Pippa Middleton. Passionnées de tennis, les deux femmes sont cette année encore présentes au rendez-vous. Ainsi, elles ont été aperçues lundi 10 juillet dans les tribunes de Wimbledon. La maman et la petite sœur de Kate Middleton étaient au premier rang afin d'applaudir Andy Murray. Ou presque. En effet, contrairement aux années précédentes, Carole et Pippa Middleton n'étaient pas assises dans les tribunes réservées aux membres de la famille royale. Et oui, le magazine britannique Hello rapporte que les deux femmes ont été virées des prestigieuses tribunes où Kate Middleton a été aperçue quelques jours plus tôt. La famille royale, dont les relations avec les Middleton seraient tendues, aurait-elle décidé de les priver de ce privilège? Pas du tout. Si Carole et Pippa Middleton n'ont pas été autorisées à prendre place dans le coin VIP, c'est tout simplement parce qu'elles sont arrivées en retard. Ainsi, mère et fille n'ont pas eu d'autre choix que de s'asseoir parmi la foule. Et si elles étaient séparées, les deux femmes semblaient passer un bon moment. Il faut dire que leur joueur favori, à savoir Andy Murray, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi. Qu'importe le lieu, le résultat a été à la hauteur de leur espérance. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas ?